vague Delta n'a pas encore entamé son reflux. Le nombre de contaminations a eu tendance à se stabiliser, mais le pic des réanimations liées au variant Delta est encore devant nous. Et si la vague Delta n'a pas encore entamé son reflux, la vague liée au variant Omicron démarre dans notre pays, comme elle démarre partout dans le monde et en Europe singulièrement. Le variant Omicron, je le disais, arrive dans notre pays. Ce week-end, nous estimions que 10% des contaminations détectées dans notre pays étaient liées au variant Omicron. Nous sommes probablement au-delà aujourd'hui et nous sommes très au-delà dans certaines régions, notamment en Île-de-France, à Paris plus particulièrement, où plus d'une contamination sur trois semble liée au variant Omicron d'après les criblages qui sont réalisés sur les tests chaque jour. Nous avons décidé d'accélérer et d'avancer ce calendrier. Un Conseil des ministres extraordinaire se tiendra lundi prochain, le 27 décembre, dans lequel le projet de loi sera présenté, ce qui permettra au Parlement d'être en situation d'examiner ce texte dès la semaine prochaine, donc entre Noël et le jour de l'an. Et nous visons désormais une adoption définitive du pass vaccinal dès la première quinzaine du mois de janvier.